جاي مشوار بقى المهم مشوار Écoutez-moi, les gens ici dans la voiture, si le chauffeur, le garde du corps, eux, ils décident où je dois passer sans demander ma permission. Pourtant, la route n'était plus rapide. Ils disent qu'ils évitaient les taux d'âne. Où sont les ânes là? Depuis là, je ne vois aucun âne qu'on a écrasé ici. Voilà, bonjour à tout le monde. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs, les pouces bleus. Vous savez que vous êtes partisans du bonheur de notre part. Vous voyez où vous venez passer maintenant. C'est ça, agir sans consulter un prophète. S'il vous plaît, la page ici, il y a des gens qui sont en train de la signaler. C'est quel quartier ici? Quartier Aoussa. Hein? Quartier Aoussa, d'accord. Donc, c'est une page qui est combattue. Les gens la signalent. La roi, Sakamloa, la Rinaoui. Mantelamlo. Donc c'est une page qui est combattue, quoi. Peut-être à cause des vérités que j'ai dit que les gens, certaines personnes n'aiment pas ou certaines personnes mal intentionnées. Donc, s'il vous plaît, il faut envoyer les cœurs et les pouces bleus. Voilà. Envoyer les cœurs et les pouces bleus, c'est important. Les cœurs et les pouces bleus. Pas de son. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que le son est bon? Naru, vous n'avez pas de son comment? Donc, s'il vous plaît, envoyez les pouces bleus et les cœurs. Il y a des gens qui ne savent pas qu'en envoyant les pouces bleus et les cœurs, ils participent à ce que le direct soit vu par un grand nombre de personnes. C'est ça le but en fait. Donc, vous avez le pouvoir. Envoyez, appuyez juste de façon régulière sur les pouces bleus et les cœurs là. Vous appuyez, c'est simple. Pendant que je parle, toi, tu appuies dessus et vous envoyez juste les cœurs, les pouces bleus. Ouais, c'est comme ça là. Voici le cœur, le pouce bleu ici. Ouais, ça c'est le cœur. Vous appuyez juste comme ça. Comme ça. Là, vous appuyez comme ça, tout simplement. Ouais, c'est ça ici là. Vous appuyez juste sur ça de façon répétée et répétitive et puis voilà, vous contribuez à ce que la plateforme soit recommandée, que Facebook recommande la plateforme, parce que si les gens appuient sur les mauvaises icônes, la plateforme sera bloquée par Facebook. Ça veut dire que les gens n'aiment pas et Facebook ne va pas il va bloquer, on va réduire l'accès à la vidéo. C'est comme ça que ça se passe en fait. Donc quand vous envoyez les pouces bleus et les cœurs, c'est important. Et voilà. Que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus de Nazareth. Donc nous sommes à Bertois. Je vais dire à tous les habitants de Bertois, ceux qui ont manqué hier, nous continuons encore ce soir. C'est mercredi aujourd'hui, non?
ce mercredi 22 et jeudi 23 mars 2023 dans la ville de Berthois. Ne manquez pas. Ne manquez pas du tout à ce grand programme. Il faut que Kenya, il faut que Kenya. Il y a des gens que la pluie n'a pas pu retenir. Et c'est comme ça que notre engagement pour Christ devrait être. La pluie ne doit pas te retenir. Tu n'es pas le sac de sel. Ouais, la pluie ne doit pas nous séparer de l'amour de Christ. Il dit qu'il nous séparera de l'amour de Christ, de personne. Et ceux qui étaient là hier ont vu, bon, ce que le Saint-Esprit a fait. Hier, c'était terrible, je vous assure, c'était terrible. Il y a un couple là qui est venu, mon âme a commencé à pleurer, mon esprit a commencé à pleurer, parce que le Seigneur me montrait ce par quoi cet homme est passé. Et c'était redoutable, je vous assure. Vous imaginez qu'un homme a une copine, il a sa copine, et puis... Les maisons là, c'est quoi? Les maisons de Nardi. Il a sa copine, et puis sa copine, pendant qu'ils ont des rapports sexuels, sa copine lui demande d'éjaculer sur des feuilles sauvages qu'elle a portées, sort de son sac, des feuilles sauvages, imaginez-vous ça. Elle sort des feuilles, ceux qui ont suivi ça hier, vous savez, la connexion a déconné hier. Elle sort des feuilles sauvages. Oh là là. Et elle lui demande d'éjaculer là-dessus. Le monsieur hésite, mais finalement, il se laisse aller. Non, prochainement, ne passez plus avec moi là, pardon. On va tout droit. Parce que là, on a contourné, perdu du temps pour rien. Et voilà le jeune homme, le jeune monsieur, à l'époque, c'est un papa aujourd'hui, il était encore jeune, ça fait 35 ans. C'est une histoire qui a eu lieu il y a cela 35 ans. Mais le Saint-Esprit a permis à mon esprit de remonter jusqu'à 35 ans en arrière dans la vie de cet homme pour voir ces choses-là. Et finalement, il a écouté la jeune dame et il a éjaculé. Vous voyez? Comme la dame, sa copine, là, lui disait, et c'était une sorcière en fait. Elle s'appelait même comment? C'était qui là? C'était Mélanie ou qui? C'est qui la dame là? Hein, les enfants, c'était qui? Hein? Vous n'avez pas vu comment je provisais devant vous hier. Voilà, vous êtes figuratif, mes amis. Donc, voilà. Les prophètes souffrent. Voici mes enfants, ils savent moi tous les jours, je prophétise. Ils n'arrivent pas à me rappeler de nom. Donc, dans tous les cas, cet homme, il a éjaculé dans cette feuille-là. Et la femme a pris, elle a attaché devant lui. Quelle bêtise! Devant lui, elle a attaché. Elle a mis dans son sac, elle a dit, continue alors. Et sa femme criait, oui, vraiment, mon mari a envoûté et tout. L'Esprit du Seigneur m'a dit que même la femme là, on a pratiqué un acte de sorcellerie sexuelle contre elle. Et c'est où l'Esprit de Dieu lui a parlé de son fiancé, de sa jeunesse, qu'on appelait Simon, qui devrait l'épouser. Et puis, il a fait aussi une pratique comme ça, il a récupéré des trucs. Je ne sais pas comment expliquer ça. C'était grave, je vous assure. C'était très grave hier. Donc, ce soir, nous demandons au Saint-Esprit de continuer dans la même lancée et de nous bénir. Et j'ai dit à l'église hier que chacun puisse prier chez lui, demandant au Saint-Esprit de le localiser aujourd'hui pour que son cas puisse être résolu. La prophétie vient pour l'édification du peuple. La prophétie vient pour la délivrance et la restauration. Donc, le prophète dénonce, révèle et apporte aussi la délivrance en même temps. Donc voilà, je vais dire aussi aux habitants de Berthois, et pendant que nous sommes dans la ville, nous sommes aussi en train d'aller pour l'ouverture officielle de la construction de la chapelle de Berthois, une chapelle de 5000 places assises que nous sommes en train de nous battre pour construire. Donc les travaux doivent être déjà officiellement lancés aujourd'hui. Je vais prier officiellement sur le site et puis donner mon accord aux techniciens pour lancer le chantier. Voilà, ça sera une méga chapelle. Et nous voulons quelque chose de bien pour que les gens puissent se sentir bien. Ça fait des années qu'on adore Dieu à Berthois. Les bien-aimés, on n'a pas d'église vraiment. On est en location partout. Parfois, nous sommes menacés à gauche et à droite. Vous voyez, c'est un peu compliqué. Donc, ça fait que là, nous, on a décidé de construire. Donc, on a décidé de construire notre... offrir à Berthois une chapelle. Voilà. Donc... nous avons lancé le culte de libéralité à l'Éternel. Ce que ça a donné, nous allons commencer le travail avec. Et nous lancerons aussi un autre appel
Et je lance un appel à tous mes enfants de la diaspora, pour ceux qui veulent souscrire, pour participer à la construction de cette chapelle-là, ça nous fera du bien. Comme ça, tous ceux qui viendront dans cette chapelle adorée et qui seront bénis, ces grâces-là, le Seigneur vous en donnera les ristournes dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, soyons unanimes, soyons unis, soyons forts, soyons ensemble pour mener à bien cette œuvre-là. Et je pense que le Seigneur manifestera sa gloire et sa grâce dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Donc, les habitants de Bertois, chose promise, chose due. Bon, j'ai dit, toi, tu avais les lunettes hier, là, tu voyais même la nuit dans mon fils. Je voyais, papa, très bien. Tu es sûr? Très bien. Là, c'est, on est au niveau du site. Donc, vous savez, l'œuvre de Dieu, nous faisons une œuvre de pionnier au Cameroun. Et ça, c'est l'une de mes prières depuis que je suis enfant, depuis que j'ai commencé à servir Dieu. L'une de mes prières, j'ai demandé toujours à Dieu quand je voyais l'homme de Dieu, l'apôtre Nestor Toukéa, servir le Seigneur, allant partout pour prêcher l'évangile. J'avais fait cette prière-là. J'avais environ peut-être 17 ans. Armand. Quoi dit Avia Bamta Wundero? En tout cas, Bélar, tu vois là, il n'a même pas mis le nom à le salaire. Donc, j'avais fait une prière, j'avais peut-être 18 ans hein, ou 17 ans. J'ai dit à Dieu, Seigneur, quand je grandirai, permets-moi, je t'en prie au nom de Jésus, moi aussi, de voyager de lieu en lieu comme ça pour prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et aujourd'hui, cette prière, le Seigneur m'a exaucé et je rends grâce à Dieu pour cela. Donc, on peut aller partout prêcher l'évangile aujourd'hui. Pour moi, c'est un privilège. Nous rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ pour cela. Et Bertois est engagé. Hein? Il y a quelques frères qui sont là déjà. Voilà. May the Lord bless you in Jesus' name. On arrive. Regarde, voir où sa caméra. Je m'en dirais là sur la fille là, à qui le diable avait dit, une voix avait dit de venir me séduire là. Parce qu'il faut qu'on dénonce ces choses-là. Mon frère. Tu ouvres avec violence comme ça, tu voulais que je tombe. Papa, le gilet. Le gilet, c'est bon, papa. Le gilet par le bas, je ne veux pas, je n'ai pas besoin de ça. D'accord. Aïe. Vraiment. Ça, c'est le chef. C'est le chef de quel canton, le chef de quel village. Là, j'ai aussi. Il m'a beau, mais il m'a dit, alors, il y a une distraction. Là. La caméra, là, elle est nettoyée, je crois. Hmm? C'est le chef de quel canton. Attends, de Enya. Ça va? Ils ont déjà mis la vidéo en ligne. Oh. C'est en ligne? J'ai pas vu ça en ligne. Où le reverend? C'est comment alors? Toi, tu me donnes le gilet, toi, tu n'as pas de gilet. Tu me donnes le casque. Qu'est-ce que tu as tombé sur ma la pose la première pierre d'or, il faut que je mette ça. Ben, venez, viens montrer. C'est la loi. La loi du chantier, applicable seulement sur moi. Vous les autorités. Les autorités en place. On vend très chiant. Non, pas le ventre qui est chiant. Ta femme, elle dit quoi de ce ventre? Papa, elle dit que c'est bien. Mais vraiment, Caleb, est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là? Aïe, aïe, aïe. Ce sont les techniciens qui sont là. Ils sont les techniciens qui sont là. Ils ont fait l'implantation. Bon, on dit tiens, je vais les laisser. On a dit que l'église est parfaite. Juste au niveau du nid. Et l'autre borne. Les autres, ça c'est 1000 mètres carrés. Ça c'est 2000, c'est plus de 2095 mètres carrés. Ça va pour ça. Et l'église, ils avaient calculé ça. Attends. Bon. Où sont les techniciens? Bonjour. Je vous salue. À des salons ou non? Là tu parles la langue aussi.
Non, je brosse seulement. On a des faim, hein? A des blesses ou nao? You de receive, hein? Receive well, well, oh. Ok. Nous rendons grâce à Dieu pour sa fidélité. Bon, je disais que, où est le révérend Junior? Toi, tu es invisible aujourd'hui ou quoi? Donc, tu veux que ça commence là? Papa, jusqu'à là. 2,55 m. Hein? Jusqu'au niveau de la première porte de 42,55 m. Jusqu'à la borne ici. Hein? Oui. On a ça fait combien? 42,55. Et là, ça monte comme ça. Et puis, ça vient de ce côté à 3. C'est un carrefour, c'est la route comme ça. Ah. Et puis, ça monte avec une première bande qui se trouve à 55 mètres d'abord, et puis 14 mètres. Avec un total en longueur de 71 mètres. Donc c'est long, et puis en haut là-bas on a 25 mètres. Donc s'il faut construire l'église, on a demi-mitoyens, on a deux côtés mitoyens. On a le côté de 71 mètres et le côté de 25 mètres. Mitoyens, ça veut dire quoi, plus? Ça veut dire qu'on a des voisins, nos voisins là. Ah. Lors du chantier, on sent qu'ils s'imprègnent déjà. Ouais. Donc papa, s'il faut construire l'église, on doit, sur 1000 mètres carrés, comme vous avez demandé, on doit faire 20 sur 50 ou encore plus. Selon la calculatrice, qui a la calculatrice? Multiplier 20 fois 50, c'est pas comme ça. Ça fait 1000 mètres exactement. Donc 20 ici? Non, 20 en haut pas. Ici, c'est 20 sur 50. Hein? Bon, comment on peut faire aussi ici comme ça, 20 sur 50? Oui, c'est que vous imaginez donc qu'on construit une église qui commence ici, ça passe jusqu'au mur là-bas. Tu imagines ça? C'est toujours bien. En longueur, hein? Il va passer toujours bien. Mais c'est sérieux? Non, ça va faire 71 mètres. Ça va faire 71 mètres sur terre. Non, ça va faire 1400 mètres. Non, non. Comment? Petit décalage de minute. 1 mètre 50. Non, conçu sur la minute. Oui. Est-ce qu'il y a un? Ça, là, c'est le terrain de qui? C'est la route, mon gars. Là, c'est la route. Ah, ça, c'est la servitude. Jusqu'au niveau du Gougon. La servitude d'ici jusqu'au mur, là. Jusqu'au mur. C'est combien de mètres de servitude? 8 mètres. Mais c'est bon, ça, je suis la limite, il n'y a pas de problème. Et ça marche jusqu'en route, jusqu'au Gougon, là. Jusqu'en. Ah, ici, on n'a personne. Même ici, on n'a personne. Mais là, ici, on a quelqu'un. Il ne va pas en avoir voisin. Juste, c'est pas la route qui défend où il y a la voiture. Ah, avant, il n'y a pas de. Si on peut faire une implantation avec les fils là, sur, en longueur comme ça, sur jusqu'en haut là-bas. Parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on est jusqu'en haut là. Et mettre la reste en fait. Ouais. En longueur. Maintenant, le reste, parce que l'entrée, c'est comme ça. Oui, tu as dit qu'il y a une voisine là. Ça, c'est la route, n'est-ce pas? Papa, là, c'est la route. Il n'y a aucun problème. Le voisin, c'est de l'autre côté. Oh, et le terrain, c'est encore vide. Le voisin, c'est seulement celui qui a versé le gravier là. Ça vide, je veux dire, parce que ça va. Ça en vend. Quel terrain? C'est 1000 mètres carrés. Si on achète, donc. Si on achète ça, est-ce qu'on aura encore des voisins? Plus jamais de voisins. Route ici, route de là, route de là. Bon, mais si on achète donc ça, on va acheter ça. Voilà. Prenons donc, on va prendre les 1000 mètres carrés là. Parce qu'il y a le projet d'école aussi. C'est tout sympa les gens ici. En fait, mon principe, c'est que l'église doit être longue. 1000 mètres carrés. Maintenant, on laisse. Oui, tu as les plans que ton frère a envoyés là. Donc, vous voyez que vous avez 2000 mètres carrés.
proposant pour le blouse. Souscrivez. Et ici, c'est la barrière. Comme ici, je supposons qu'on a un voisin ici. C'est l'entrée de l'église sera ici. Une barrière, les gens entrent comme ça. Ça, c'est la cour, quoi. Oui. Et ça, c'est l'entrée de l'église. De côté ici, c'est ça là-bas. Qu'est-ce que c'est que vous voulez? La ligne, c'est ça où? La ligne, c'est celle-ci. C'est quoi même vous voyez? Donc voici la vie. Là, c'est qu'on aura le problème là-bas. Il faut tracer une droite. De l'autre côté, ça sera compliqué. Ça veut dire qu'on peut plutôt faire une implantation de côté. L'église regarde comme ça. Ça regarde la route comme ça. Il y a dit pour profiter de la ligne ici. Parce que ici c'est compliqué. Pour avoir une ligne droite là-bas, c'est un peu compliqué. Donc ici, comme c'est la ligne droite, on peut mettre l'arrière de l'église là-bas sur la demi-tour. Vous voyez un peu. La vue, quand il y a les plans qu'on a sortis là-bas, on va justement jeter la gauche, la première pierre. Et puis nous, on va dans la limite. La borne là. Et s'il vous plaît, l'église, je veux qu'on construise ça rapidement. Parce que je ne veux pas quelque chose de compliqué. C'est pas on va rien compliquer là. Le plan, il est très simple. Nous prenons acte. Oui, okay. Le plan, il est très simple. Ça veut dire que, comme je parle là, on doit faire une église normale. C'est-à-dire que, avec une hauteur de 3 mètres et demi. C'est ça. Oui, 3 mètres et demi. Et je souhaite que le toit soit en V. V renversé, comme la maison là. Hein? Okay. Hein? Deux pentes. Deux. Parce que vous dites que si c'est 1000, ça va faire. Bon, supposons qu'on prend le mur ici. On prend le mur jusque là-bas. Hein? Jusqu'à notre limite là-bas. Referme ici. Déjà, ici la haute, la longueur c'est combien de mètres? 71 mètres. La longueur c'est 71 mètres. Donc si on prend 50, il va rester 21 mètres. Sur cette longueur, c'est papa. Donc c'est mieux de commencer l'est à l'angle, puisqu'on a un voisin comme ça. On a aussi des voisins comme ça. Donc c'est mieux de prendre 20 comme ça et 50 en descendant, ou encore 60 en descendant pour laisser l'entrée de l'église soit de ce côté, soit de l'autre côté. D'accord, papa. Donc pour prendre la 20 en haut net où on a construit, on descend même à 50 ou 60. 50 ça va faire 1000 mètres carrés, mais à plus de 60 ça va dépasser 1000 mètres carrés. Il y aura la cour devant. Oui, mais moi l'urgence c'est de sortir l'église d'abord. D'accord. Aussi, dans le plan que voilà, Romain a sorti là, on va arranger ça de là. D'accord. Là, tu as fait 20 sur 50, c'est ça? 20 sur 50 uniquement la salle. Si vous voulez que la salle donne 1000 mètres carrés, ça c'est 20 sur 50. Et c'est possible de faire ça sans trop de photos, non? Ah, je ne souhaite ça, pas c'est... beaucoup de photos. Hein. Quelle est la technique qu'on peut employer pour construire rapidement? Parce que c'est la saison pluvieuse. Avant la fin de la saison pluvieuse, qu'on soit déjà. De toutes les façons, la technique la plus rapide, hein, on peut mettre les poteaux. On peut mettre les poteaux. Tout comme. On peut élever les murs tout en coulant aussi les poteaux et les perpétuels aussi. Mais c'est aussi la meilleure procédure aussi. Bon, le bois ici là c'est moins cher ou c'est cher? Par rapport à Yahoo, tu as dit qu'il y a un frère qui a dit qu'il va nous livrer le bois. Bon papa, les crocs. Mais là quand j'ai calculé par rapport à aller en brousse coupée et ramener ici, c'est à peu près le même prix. Parce que j'ai pris les deux devis, c'est à peu près le même prix. Le plan que le représentant.
Il pourra te détrôner. Vous êtes un homme de combien? 50 mètres. Nous avons 10 techniciens. Les techniciens. Avant tout, les techniciens. Et maintenant, ils sont. Galant. Galant. Tu vas mettre les techniciens à l'avance. Il est dans le génie militaire. C'est lui qui nous avait fait l'hôtel de. Avant d'être interprète avant d'être. Ah bon, hein? Oui. C'est lui qui avait bâti l'hôtel à Momba. 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 Voilà, tu vois, bon, c'est joli. C'est joli, hein? C'est ça qu'il avait fait derrière l'hôtel. Oui, oui, bien sûr. On fait ça, mais l'étage qu'il a montré en haut là, je ne veux pas ça. On fait sur ce, la salle, même salle. C'est là. Tu as travaillé avec les techniciens sur ça. Dans l'entrée, si on met le mur comme ça, et l'entrée, c'est comme ça. Oui, ça c'est l'entrée. Là, c'est l'entrée de la salle. L'entrée, ça va déjà. Avec notre entrée derrière ici, au fond là-bas. Exactement, là déjà. Là, au fond avec. Ok, qui est le chef des techniciens? Voilà, c'est un peu ça le plan. Ouais. C'est très simple. Hein. Donc, on va tout droit comme ça. Puis ici, les mines. Et puis, il y a un rajout ici pour les bureaux. Au fond là-bas. Au fond là-bas. Voilà. Donc quand on arrive là, on garde là, puis on a des. On va positionner le verre d'eau. De quoi? Le verre d'eau. Donc les douches et autres. Il a prévu ça ici. Hein? Il a prévu ça ici où nous sommes, papa. Okay. Il a prévu ça. Où est ça dans le plat? C'est là, papa. C'est là. Bon. Ça c'est la forme du terrain, la place de la maison dans l'église dans la forme du terrain. Ce qui est autour de la forme du terrain. Et l'église est là, voilà, il fait les espaces qu'on aura tout autour. Pourquoi on détache les toilettes du bâtiment? Après, on peut toujours coller un problème. De toutes les façons, on va revoir ça peut-être après. Le détail là, on va revoir ça après. Parce que là, maintenant, c'est la pause. On va apporter une modification sur le temps. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Ok, on va poser la première pierre. Est-ce qu'il n'y aura pas le forage? Oui. Si vous faites le forage à combien? C'est important le forage. Ça dépend. Papa, on avait proposé de creuser d'abord le pied, puis on met des bus pour acheter des machines avant de l'élever. Le forage, c'est combien? On calcule le forage. C'est mieux d'avoir un forage qui tourne l'eau en abondance. Donc, il faudra voir tout ça. Bah, le problème que j'ai avec les chiens, c'est les prix faramineux. Parce que Beaumont, j'ai abandonné. Pourquoi? Parce que j'ai demandé qu'on me sorte le devis pour construire une tente. C'est-à-dire les planches et les tôles. C'est d'après de 20 millions. Et je leur ai dit, mais attendez, moi j'ai construit à Ebogo 1 là, on n'a pas fait 20 millions, c'est dans les peut-être 10 millions tout au plus. Je fais les 2000 mètres carrés et on vient me montrer. La même chose, toi là, je n'ai plus construit. Donc quoi, les techniciens toujours.
Et une petite salle comme ça, on doit juste mettre les petites planches comme on a vu sur place. Acheter les tôles simples, on met. On me sort des devis de 6 millions. Papa, nous, je leur ai dit que non. On a dit, papa, que c'est l'église. Donc, vous percevrez à Réma. Qui est à Réma? Qui percevra à Réma? Tous sont à Réma. Mes amis, si vous tentez ça, je prophétise sur vous. Non, ça c'est le problème que les frères ont. On n'est pas contre la main de papa. Mais faut pas exagérer. Le problème qui nous protège. Nous, on a, moi je suis de la vraie église. C'est-à-dire que nous, on est né de la vraie église. C'est là que nous sommes nés de nouveau. Nous construisons les chapelles nous-mêmes. C'est les frères qui construisaient, on ne donnait pas 5 francs. Tout ce qu'on donnait, c'est que quand on travaillait, les mamans venaient avec la nourriture. Et puis il y avait cet amour de l'église communautaire. Aujourd'hui, les techniciens dans l'église sont mal intentionnés. Maintenant, vous venez, vous avez des problèmes, on doit prier pour vous gratuitement. Quand c'est l'œuvre de Dieu, vous voulez qu'on vous paye chèrement. Et donc, j'ai adopté un principe. Vous sortez les noms des techniciens. Vous me les mettez dans une liste. S'ils nous imposent une main d'œuvre chère, quand ils sont le jour, un d'eux sera dans les problèmes spirituels. Vous me dites que c'est un des techniciens. Je leur pose aussi la bouche d'eux. Cher. Amen. Amen. Non, mais je suis très sérieux. Si les sorciers vous persécutent, venez me voir. Je vous dis que tu te souviens, c'est que tu nous as fait sur le chantier. Non? Je dis que oui. Je dis, ok, d'accord. Ici, la main, 1 million. J'ai pris sur toi. Hmm? Non, non, c'est sérieux. Oh, bon, mais 3 millions. Je te dis le nom de la personne qui est derrière ton problème. C'est comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que servons Dieu en toute bonne conscience, en étant conscient que c'est l'œuvre de Dieu que nous sommes en train de faire. Moi, je n'ai pas une bonne expérience avec les techniciens chrétiens. Donc, dès que quelqu'un me dit qu'il est technicien, né de nouveau, je recule d'abord. Du coup, je comprends que je suis en danger. Parce que les techniciens les plus malhonnêtes que j'ai croisés, c'est dans l'église, c'est les frères. Nous, on a fait les chantiers, les frères viennent pour nous donner un coup de main. Il t'exige la main d'œuvre. Tu dis, mes frères, on prie ici ensemble et tu vas venir prier ici avec nous gratuitement. Le frère part, il abandonne l'église. Et quand l'église est finie, il discute les chaises à l'église. C'est une inconscience qui n'est pas bonne. Donc moi, je ne pense pas que vous êtes ce genre de technicien. Oui. Vous êtes différent. Je disais tantôt que, au nom de mes collègues qui sont là, nous ne voyons pas d'abord d'argent. Mais nous voyons plutôt la réalisation. Les autres disaient ça, mon fils. D'autres disaient ça, mais en pleurant. Et non. Nous ne voyons pas l'argent, c'est Dieu d'abord. Et ils ont sorti le devis, 20 millions. Et ils mettent en bas. C'est-à-dire qu'ils mettent nota bene. Nous ne voulons pas de main d'œuvre. Donc les gars avaient déjà tout. Donc il faut qu'on ait un principe de fonctionnement clair. Je ne suis pas contre la main d'œuvre, mais je suis contre l'abus. C'est l'église, ce n'est pas une société, une entreprise, on n'a pas de partenaire extérieur. Ouais. Donc il faut être raisonnable. Je ne sais pas s'il y a autre chose, est-ce que quelqu'un... Non, pratiquement. La vie dit que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans s'être accordées? Tout à fait. Donc il faut qu'on s'accorde. Hein, papa blanc. Tu as à dire, non. Parler, hein. Maintenant, bon, tout est conclu, non? On travaille d'abord la maison de Dieu. On va voir le reste. Ouvrez-vous là, de vos cœurs. Si il y a quelque chose à dire, quelqu'un dit, hein. Parlez. Pas que je parte, vous persécutez mon fils. Je non, pas long, parce que c'est pas lui qui finance. Pas du tout. Lui, il supervise juste. Okay. Il n'y a rien d'autre, quelqu'un que je vais dire. Papa, on contribue. Non, c'est qu'on travaille d'abord premièrement pour l'œuvre de Dieu. Amen. Si jamais vous nous soutenez financièrement, il faut que nous mettons en cœur que c'est l'œuvre de Dieu et c'est la maison de Dieu que nous construisons. Amen. Il est hors de question que nous mettons premièrement l'argent parce que nous sommes attachés sur le Seigneur. J'espère que ça fait partie d'une bénédiction que nous allons faire à ceux qui ont contribué et construit cette chapelle. Amen. D'accord, parfait. Que Dieu vous bénisse. J'ai encore un problème. Mm-hmm. Je suis proposé pour un travail en bourse. Ça va commencer d'un moment à l'autre.
Mais je ne sais pas si vous pouvez prier que ça retarde. Un peu, j'ai fini l'église à la prière. Seigneur, je prie que son travail en brousse retarde. Que ta maison finisse d'abord avant qu'il parte en brousse. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Tu vois que j'ai... Venez, on va poser là. Je parle, là. Je parlais pas, là. Heureux ceux qui sont témoins de la première pause. Amen. Deux parpaings de ce côté, de ce côté. Deux parpaings. Toi, tu mets encore le saut où, mon ami? Mets ça ici. Oh, mais je mets deux parpaings ici. Non, non, vous mettez ici. Donc, les parpaings ne seront pas collés. Sont... Et comment vous dites que les parpaings sont là? Et l'autre comme ça. Exactement. Et vous dites que je mette au fond là-bas. Vous pensez que moi je ne suis pas un ancien. Il faut mettre assez, papa. Pardon, tu m'embrouilles. Assez, c'est qui encore ici? Par rapport à la quantité. La quantité de quoi? De mentir au sol. Et c'est toi qui paye. Toi, tu sais d'abord que ça vient d'où? Tu disais qu'en c'est là, on fait comment petit? Et tout à l'heure, encore jusque là-bas. Assez de mentir au sol, c'est assez, pas en c'est. Assez de mentir. Ah, j'ai que tu disais qu'on économise mon fils. T'en fais pas. Hein? C'est quel sable ça même? C'est qu'on a beau là. Le sable fin. Ça veut dire qu'on va construire. Hein? Oh, le crépissage. Ah, le crépissage est mentir. Toi, comme tu sais trop conçu, tu vas rester avec toi. Amen, papa. Il va rester avec toi. D'accord, papa. Papa, j'ai une vision auquel vous m'avez donné cette responsabilité. Voilà. Ok, donc, vision accomplie. Amen. Amen. Il va habiter ici, bon. Amen, papa. Parce que l'église de Bertassi, il faut qu'on construise une belle chapelle. On met le carreau au sol. Bien. Amen. Yes. Pardon. On ne parle pas des autorités comme ça, mes amis. Il ne faut pas vous laisser aller à l'excès des jeunes. Il faut honorer les autorités. Amen. L'Église n'est pas en conflit avec les autorités. Quel est cet homme de Galilée? Il n'a pas tant péché. C'est un peu penché ici. Mais c'est la pause. Là, vous mettez. Hein? Vous mettez le mochi pour attaquer le mochi. Vous savez, ça va finir, petit. Le bas, la main, c'est plus sec que le haut.
Ne touche pas. ne touche pas, petit. Faut pas le toucher. Ça va suffire. What do you need? What do you need? What do you need? What do you push, push, push. On va en danser. Ça, c'est sec en bas. Tu as tout de même salé. Moi, ça va comme ça. Ça va, Linda. Moi, ça va. Vous allez continuer. D'accord. Ah, où est l'huile? Père, au nom souverain de Jésus, amen. Par ta grâce, par ta faveur et par ton alliance dans ce ministère, nous consacrons ce lieu à ton nom trois fois saint. Amen. Les nations viendront ici pour t'adorer, amen. Pour chercher ta face. Amen. Amen. Je prie au nom de Jésus. Amen. Que tous ceux qui quitteront les nations de la terre, étant malades, pour venir chercher la guérison ici, qu'ils soient guéris au nom de Jésus. Amen. Que chaque pécheur qui viendra en ce lieu pour chercher le pardon de ses péchés, Seigneur, qu'il obtienne la rémission de ses péchés au nom de Jésus. Amen. Qu'en ce lieu, les morts ressuscitent en ton nom. Amen. Que l'évangile soit prêché pour le salut des âmes au nom souverain de Jésus. Amen. Que les âmes soient édifiées pour le ciel à partir de ce lieu au nom de Jésus. Amen. Que la révélation de ta personne soit manifestée à partir d'ici pour toute la ville, pour toute la nation et hors de la nation au nom de Jésus. Amen. Que de grands signes et de grands prodiges s'opèrent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Père, je consacre ce chantier à ton nom. Et à partir d'aujourd'hui, je le déclare ouvert. Amen. Que les anges veillent sur ce lieu. Amen. Que les puissances du mal soient anéanties au nom précieux de Jésus. Amen. Que les forces d'opposition soient soumises au nom de Jésus. Amen. À partir d'aujourd'hui, ton nom est invoqué en ce lieu. Amen. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Je verse cette huile pour consacrer cet endroit à l'Éternel notre Dieu. Amen. Que le Dieu de notre alliance veille. Amen. Que ses travaux s'achèvent sans aucun accident. Amen. Sans aucun incident. Amen. Dans le nom précieux souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est terminé.
Amen. Amen. Ok, beaucoup de courage et nous, on aura une séance de travail. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Monsieur le préfet, il demande sa position, pardon. Là, je vais passer lui dire bonjour. Ah, ya, ya. Il est quelle heure même? Je continue mon direct. Il est 11h09. 11h déjà? Aïe, oh là là. Voilà, chers amis, que le Seigneur vous bénisse au nom précieux et souverain de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus-Christ. Bien-aimés, à cause du temps, je pense qu'on a débordé le temps. On va revenir sur notre direct. Demain, si peut-être à partir de 10h, dont les habitants de Bertois, nous sommes dans la ville de Bertois. Ne manquez sous aucun prétexte ce soir. À Mokolo 1, c'est ancien SCT, ce n'est pas au Sénagès. C'est à Mokolo 1, ancien SCT. Soyez là, très, 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 très nombreuses. Dadi, c'est la nouvelle madame auprès de vous. Oui, c'est elle. C'est ma femme. Vous savez, quand je suis resté là, fallait une autre femme déjà. Chérie. Oui, bébé. C'est comment, bébé? Non, ça va, ça va, ça va. Tu vas bien? Oh. Je t'aime beaucoup, hein? Moi aussi, beaucoup. Vraiment. Oh. Mais, là, là, ouais. Donc voilà, c'est ma madame. Eh, ouais. Donc,